très bien écarté les billes. Est-ce qu'il a la réussite derrière? J'espère pour lui. On peut pas contrôler trop le replacement sur ce type de coup. C'est très puissant, il y a beaucoup de chocs. Donc on espère se retrouver en position favorable. Alors est-ce que ça passe pour lui? Il est en train de regarder tout ça. Paul, est-ce qu'il peut continuer? Allez, une dernière réflexion pour Christophe sur ces deux billes rouges. Mais c'est un coup très difficile parce qu'il faut contrôler la blanche, l'empocher. Et tu as raison, Pierre. Il faut la replacer. Oh là 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 là. Oh là, c'est compliqué. Et en plus, il est proche de la bande. Alors, il va falloir. Enfin une bille qui est du côté de Paul et qui vient jouer les troubles fêtes pour empêcher Christophe d'empocher cette bille en coin. Elle est venue vraiment s'aligner, hein, celle-là. Alors attention, le garçon ne manque pas de ressources. Et Christophe est capable de sortir un coup magique de son chapeau. Voilà, 3 bandes par Christophe. 1, 2, 3. Attention. Était parfait. Dommage. C'est tout coup. Le coup était... magnifique, un coup en 3 bandes au milieu et malheureusement cette bille blanche qui va dans la poche et qui permet à Paul Koldrick d'exister encore un tout petit peu dans cette finale. Il avait fait une noire blanche Paul pour Christophe.